Salut tout le monde. Actuellement, j'essaie l'image de ne pas s'afficher. On apprécie. On apprécie que ça. Ah oui, la qualité est mauvaise parce que j'ai dû la mettre mauvaise, sûrement pour cette vidéo. Désolé d'avance. Le bas d'écran est très chiant. Sur fenêtre. Fais un peu la vite et tout. Capture jeu. Ok. Capture finesse, c'est. C'est bon. Ça marche, ça fonctionne. Ah. Donc, vous voyez. Donc, on va faire la génocide. Tout simplement. Je n'ai pas du chat devant moi. C'est génial. Attendez. Du coup,
Alors voilà. Ça va aller plus vite que la dernière fois, du coup, que nous pouvons connaître déjà un peu le dialogue. Audi! I am Chloe, Chloe is a frog. Ouais. C'est pas la version française. Attendez. Il faut juste. Que je démarre la bonne version. Du coup. Là, c'est bon. En full screen, c'est bon, voilà. Reset. Ouais. Enfin, la connexion sera nulle. Voilà, c'est prévenu. Bref. Résolution. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout lire. T'as vraiment rien de mieux à faire. Tu vois ce cœur, c'est ton âme. La scène de tout ton être. Au début, ton âme est faible, mais elle devient de plus en plus forte en gagnant. C'est quoi le revenu? Ben, love, évidemment. Tu veux du love, non? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Ici, l'amour se partage grâce à des petites pétales d'amitié. C'est bon pour toi? Bouge, attrape-en autant que tu peux. Eh, mon pote, tu les as ratés. On réessaye, d'accord? C'est une blague, t'es débile, fonce dans les projectiles. J'arrive pas à faire la voix. Eh bien, à ce que. On sait déjà tout à ce que je vois. Je voulais juste me voir souffrir. Quelle horrible créature torturer ainsi un pauvre enfant innocent. Et n'aie crainte, mon enfant. Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'est aventuré dans ces lieux depuis bien longtemps. Fuis-moi, je te guiderai à travers les catacombes. Par ici. Au final, je me suis dit, pas tout si tu es. Même Toriel, même. Oui. Bon, heureux. J'entends le début de la voix de ma mère. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. T'as signé un fonctionnement des ruines. Les ruines sont remplies d'énigmes. Elles consistent en une amalgame à échec d'une clé de. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Apprête-toi à en voir souvent. Ah, j'ai envie de dire ça. Pour progresser ici, tu devras enclencher plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ce que tu dois activer. Appuie sur Z pour lire les panneaux. Restez sur le chemin. Ça va aller vite. Non, j'ai essayé de se manger avec. Bref. Dans l'autre monde, les humains sont souvent victimes d'attaques.
Il faut te préparer à y faire face. Mais n'aie crainte. Attendez. Je lirai tout ce qui est écrit toutes les 5-10 minutes, je ne répondrai pas directement. Donc il y aura le temps, on attend ce sujet que je change. Donc tu dois entre quand tu es dans le combat, on t'a une conversation amicale. Essaye de gagner du temps, je viendrai pour résoudre le conflit. Entraîne-toi pareil au matcap. Oh, les mannequins sont là pour parler, pas pour se battre. On ne voudrait pas de mal à personne, n'est-ce pas? Allez, viens. Bref, il y a une autre énigme dans cette liste. Je me demande si tu peux la résoudre. Voici l'énigme, mais viens prendre ma main un instant. Je n'ai pas accès au chat direct. C'est très chiant. Je sais pas si personne. Moi, personne regarde. Vie en cours. Deux visages en cours. Bah, c'est qu'on salue à la personne qui regarde. Mais dis-moi, tu es une tu as été formidable jusqu'ici, hein, enfin. Cependant, j'ai une requête difficile à demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Pas de truc à savoir. Théma, regardez. Parez-vous. C'est très bon. Très très bon. Oublie, t'étais derrière. Salut mon enfant, ne t'inquiète pas, je n'étais pas abandonné. J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je te prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. Sois sage, d'accord? Bon, va juste derrière elle. Green. Allô, Riel, à l'appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Il reste encore quelques énigmes plus loin que je dois t'expliquer. Ça serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? On va tout le monde. Ah, je suis un monstre. Pardon. Ah. En pleine boue. Technique à connaître. Attends, c'est quoi technique déjà? C'est ça. Genre, en fait, ils ont trop validé spawn en fonction des pas qu'on fait. Du coup, faisant ça, on fait plein de pas.
Et du coup, il spawn plus souvent. Je suis fou. Est-ce que ça commence à dire? Non, pas encore. Tu dotes, ce sera long. Je sais, les génétiques sont toujours longs. Surtout si c'est un monstre, je peux pas. Prochainement, je regarde rapidement le chat si il y a des personnes, parce que voilà. De les tuer. La machine n'a pas avancé. D'accord, oui, je vois ce qu'elle est ligne. Voilà. Non, je suis encore. Ce sera long, hein. Reviens. Là, vous montez. Ah d'accord, on ne peut pas... Non, mon ça nous dit combien de personnes il reste à tuer. Bon. On a tous les manches de la zone, le frère. Voilà. Espérons qu'il reste beaucoup de monstres parce que ça commence à devenir relou. Voilà, on est mort. Continuons. C'est bon.
On fait de l'extra sub. Donc, je vais tuer 29 monstres horribles. Ce qui fait beaucoup. Je n'ai pas tué énormément. Encore 22, je crois. Je pense pas. Mais sortez pas de ces là, c'est des monstres infinis parce que. J'en ai fait combien? D'accord. Niveau 8 normalement à la fin. Oula, c'est... Ce côté toi est externe niveau 8. Donc je pense que toi il est monté un niveau. Ça va être ce que j'ai à dire. Le non-respect envers les monstres.
Oups. Désolé pour ce bruit. Je ne sais combien là, 0. Je suppose qu'il n'y a personne. Genre, après l'ennui fondamental qu'on se fait, ouais, il n'y a personne. Bref, ouais, bon ben. Continue. Voilà, continue. C'est long. Oh, la qualité est nulle. L'orgue, je ne vais pas regarder. C'est un très grand. Ouais, bon, ben désolé pour la qualité, mais bon. La prochaine fois, je monte la qualité. Et genre, voilà. Mais au moins, il n'y a pas de live. Enfin, j'espère, attendez. Oh, y a pas, y a aucun bug, ça passe, tu vois. Enfin, à part mes bruits de. Qui sont relous, je pense. Mais bon. Et puis le monstre! Bon, bah, on va changer de vite. De toute façon, c'est tous les bruits. Et à mon héroïne, il y a un couteau. Ce qui me permettra des surprises. Oui, là, il nous demande si on préfère un gâteau à cannelle ou. Une espèce de cannelle, si. Une rose, mais. D'accord, d'accord, je comprends. Merci de ta patience. En tout cas. Voilà. Ça va. Allô, tu n'es pas d'allergie, n'est-ce pas? Pourquoi je te demande ça? Aucune raison. Non, vraiment. D'accord. Je connais. Merde. Je tombe toujours ici, dans toutes mes reines. Voilà. On va un peu avancer quand même parce que voilà. Voilà, l'autre un charabia, il se trompe de côté. Voilà, là, il a failli me faire tuer. On peut tuer une obstacle.
Ouais. Hein? Oui. Mais papa, il va te téléphoner. Oui, bah, allez-vous, le raisonner, il m'aurait compris. Désolé. Il est là-bas. On achète pas ça. C'est nul. Bon, bref. Allez. Alors, à vrai dire, je n'ai pas fait de neige depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à si tôt. Il y a probablement beaucoup de choses. Mais limite-toi au strict nécessaire. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il y aura préféré d'avoir des places dans tes poches, dans tes poches. Gros, faut tomber. Je vais tomber contre un adversaire. Merde. Il n'y a pas d'ennemi qui spawn, non. Là, genre. Sinon, je me suis trompé de zone, c'est tout. Mais genre, je crois qu'il y a un moment où il y a un radis, voilà. Je me suis trompé de jeu. Bon. Enfin, interrupteur. Bleu. Et lui, c'est celle-là. Alors, Adrien, papa, j'ai téléphone quoi, pourquoi tu prends? Bah, mon téléphone ne sonne pas. Attends. Ça veut dire parce que tu vois hier.
Bon, me revoilà, désolé pour cette attente. Tu as fini ça? Oui. Donc, on se retrouve encore dans un couloir. Là, on paraît toujours, ce couloir. On arrive. Ah, tu n'as pas pu en tirer. Tu n'as pas pu entièrement ton humanité. Tu n'as pas plus pu entièrement ton humanité. En effet, tu es vide à l'intérieur. Tu es comme moi. Dis-moi, tu es Chris. C'est bien ça. J'ai fait un passage Chris. Nous sommes toujours inséparables après tout, après toutes ces années. Écoute, j'ai un plan pour devenir plus puissant encore, encore que toi et ton ami voulez. Détruisons tout ce monde pitoyable, tout le monde, tout dans ces souvenirs inutiles. Réduisons-les tous en poussière. D'accord, ya. Chloé qui sort, c'est une superbe idée. C'est rassurant. Voilà, Undertale. Les jaglevons, je les ai passés parce que, voilà, je pouvais pas parler. Il y a une caméra dans le buisson. Voilà, je connais un peu tout. Bref. Je me suis dit peut-être que voilà, on pourrait voir. Bref, on continue le chemin. Yes, d'accord. On dirait Waluigi. Humain, tu ne sais donc pas comment saluer un ami. La nouvelle amie. Tourne-toi et serre-moi la main. Hey. Le vieux coup du cousin Peter caché dans la main. C'est toujours aussi, toujours marrant. C'est le signal pour rire ou exprimer quoi que ce soit. Vache, ma vieille, tu sais comment t'y prendre pour les choisir. Ok, c'est pas grave. Chacun a son propre source de l'humour. Moi, c'est Suns le squelette. Je suis supposé être au aguet au cas où un humain passerait par là. Mais, tu sais, je m'en fiche un peu de capturer quoi que ce soit. En revanche, mon frère Papyrus, c'est un maniaque des chasses à l'humain. Chasse aux hommes. Hey, d'ailleurs, je crois que... J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail. Ouais, passe à travers les barreaux sur trois quartiers pour t'arrêter. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle est juste à la forme qu'il faut. Ok, je suppose que rien t'y oblige. Sans, as-tu trouvé un humain? Ouais. Vraiment? Waouh! Alors, c'est réglé. Ça a plutôt bien marché, non? Tu vas continuer à me fixer comme ça, ou... Hmm.
Bon, bref, on continue. Bon, je vais le faire simple pour toi. Mon frère aimerait vraiment voir un humain. Donc, ouais, ce serait génial si tu pourrais continuer à faire semblant d'être un. Je ne suis pas un humain. Il en reste 16. Ah, voilà, j'ai réussi. Il en reste 7. Il en reste 16. Donc la 15, on va monter. Aussi je vais pas l'appeler. Ah ouais, on n'est pas fou. Ça fait... Hey. Bon. On est à 13, moi, je crois. Et moi ça me régène. Hop, 12. Voilà. Là, on a 11. Dix. Neuf. Deuxième. Je passe à la dixième assez rapidement. Oui, je vais essayer. Huit. Marche pas. Merci, je te vois. Sept.
6. Que j'ai fait spawn qui a été nul parce que le jeu ben il tient donc il était nul, du coup ça change pas du moins, ça joue du sinon ça cache les pixels, ça fait en sorte presque plus beau. Sauvegarder pour récupérer quelques minutes. J'ai un PV ou pas? Ouais. J'ai pas vu. Oui, 3, je crois que c'est écrit. 4 minutes. Voilà. On va essayer d'avancer vite, mais sans speedrun, forcément, on va y arriver à dialoguer. Je vais garder pour privé. Il en reste un. Ah bon. Ah, confiné. Après, ils sont pleins de jumeaux à confiné. Personne ne soit là, je suis triste. J'aime faire des vidéos. Je veux personne. Prends une vidéo. Et une vidéo qui va sortir juste après ce live. Ou demain, ou après dans la semaine. Sur Rainbow Six Siege. Je traîne. Je reviens un petit peu sur la médecine. Je serai déçu. Mon gameplay de qualité, je serai déçu. Juste un petit niveau, je suis sur PS4. Je suis nul. Bon, bref. Le dernier monstre, il va se dépêcher à venir, sinon je vais le dégringuer. Il fait déclencher le monstre. Rien. Là. Le monstre passe pas. C'est amusant. Et si je veux, je peux faire un écho infini. Second, je parle. Donc ça.
vous entendez? Parce que le monsieur, je vous entends en double. Et monsieur, je vais répéter. Ça va faire ça. Regardez. Non, en fait, non, c'est triche. Coucou, les journalistes. Fais ça, ça va sur le live. Ça, retourne là. Ça va sur le live. Ça va sur le live. Ça fait une boucle. Ça sonne moins fort, je vois. Oh, le dernier monstre. Faire ses devoirs. Hors de question. Oh, le thug. Que mourir? Et question. Oh, la punchline. La punchline. Détermination. Personne n'a dit détermination. Donc, Sans, quand est-ce que l'humain va se montrer? Je vais être sûr. Mon 31 ou au moins mon 27 et demi. D'accord. Tu possèdes plus d'une tenue. Non, mais je peux toujours bien coiffer mes cheveux. Oh ouais, pas bête. Dis. Et si tu jetais un coup d'œil par là-bas? Sans, oh mon dieu! J'ai... Le tournis, qu'est-ce que je... J'ai en face de moi? Admire donc. Oh mon dieu! Mais pourquoi me dit d'admirer un caillou? Hey, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon dieu! Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Bah déjà, c'est pas un caillou. Ce n'est pas un caillou? Oh non! Oh non! En procédant par élimination, ça veut dire que c'est un humain? Humain, prépare-toi à du remue-ménage. Des dangers et énigmes, cavales et autres bontades te faire capturer et rejouissance de la sorte des rafles. Fraîchissement te seront offerts si tu l'oses. Et toujours pas la moindre sourcil, bon, à ce que je vois. Il n'y a personne. Personne n'est. Qu'est-ce qui bouge? Je ne peux pas voir les choses immobiles. Hey, je ne peux m'empêcher de trembloter tout à coup. Qui va là? Ne bouge pas d'un pouce. Continue. Tiens. Mais personne n'est venu. Vous trouvez transporter trop de choses. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. Je ne peux pas bouger. Toi qui voyages, pourrais-tu? Oh, aussi, mais qu'est-ce que tu fais? Dis-toi, il ressort plus rien de moi. Je récupère un morceau du bonhomme de neige.
Arrête, je t'en supplie. Je suis trop paresseux. Je peux passer la nuit à faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Oh oh, voilà l'humain. Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi avons mis en point quelques casse-crânes. Je pense que tu trouveras cela plutôt foudroyant. Car vois-tu, ceci est l'invisible. Tu dois être sous le choc culturel. Vois-tu là d'où je viens, il nous tient très à cœur d'avoir endurer tous ces horribles casse-crânes. Soupir. On n'aurait pas dû avoir un humain afin de casse-crâne. Ça fait plutôt plaisir qu'on prochaine. Ça ferait plaisir à mon frangin si tu pouvais jouer le jeu. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sense, où est le casse-crâne? Juste là, porteur. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'ignorer cela. Mais sérieux, pourquoi l'avoir lu? Je te dis, tout le monde aime le mêlé. Oh mon Dieu, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Malgré tout ça, je vois que tu aimes toujours les mêlés. Hein. T'es pas un si mauvais personnage. Humain, regarde-toi avec ces spaghettis. Tu ne doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège. Crie pour t'appâter, vois-tu, ton attention. C'est la thème concentrée sur toi que tu ne rendras même pas compte que tu n'avances pas. C'est une farce précise pour... Une farce réussie de plus pour le grand papyrus. Papyrus. T'as mangé des petites colles à la table. Mais personne n'est venu. Cette odeur, je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer les trucs.
de t'éliminer, toi. Tu vas le regretter. Fait que je suis là, ma fille en premier, mon dernier. Comment il va se reposer en paix. Ah bah oui, on peut passer les lignes. En jeu. Hey! Voilà l'humain! Tu vas adorer le projet Castel. Il était conçu par le grand. Sérieusement. Sand, au secours. Quoi que je fasse, mes casse-crènes ne l'arrêtent pas. Je suis censé lui expliquer comment il fonctionne. Et proférer des... Proférer des menaces, puis l'on l'ébahir de par mes frères. Ben, ça doit être le genre de personne qui n'aime pas les farces. Tout le monde aime les farces. Et Undyne, elle déteste les énigmes, non? Elle déteste les énigmes, mais elle adore les farces. Ça se tient. Humain, qu'en penses-tu? Énigme ou farce? Ok, là c'est supposé être le moment où j'explique, où tu expliques ton opinion. Et en fonction de ta réponse. On te sort une réplique marrant. Tiens, tu n'as qu'à résoudre ce casse-tête par toi-même. Écris en tant que... Être seul, les casse-crânes peuvent être seuls. Pour ceux qui essayaient. Ferme la lumière ou je laisse. Éteins. Détermination. Non, le jeu est tellement rapide. Quoi de neuf? Tu serais pas en train de me coller au pantoufle? Une porte. Rien de plus. Connu. Ah bon. Ah, un petit chien. Thank you.
On passe le pont de la mort. Humain, voilà l'épreuve la plus dangereuse de tous. Admire la symphonie de la mortelle terreur. À mon signal, il entre en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agiteront violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, George, tu vois Topo. Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Moi, attendre? Attendre quoi? Je t'ai dit que je suis sur le point de l'activer. C'est pas... ça n'a pas l'air très activé. Eh bien... d'autant que si l'humain passe à travers, ça serait une ennui mortel. C'était une chasse à l'homme alors. Et ben disons que j'ai rien contre ta capture. Non contre le père. Et de devenir le royal, mais ce temps investi dans ces casse-crânes, c'est comme une organisation d'une fête. Sans feu de joie, ni piège. Sans feu de joie, ni piège. Ni piège mortel. Exactement. Quel intérêt. J'aurais mieux fait de ne rien faire comme toi. Quoi? Et prends mon exemple. Et prendre exemple sur moi, sérieusement? Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, qu'est-ce que je raconte? Depuis quand tu as raison sur quoi que ce soit? J'ai juste besoin d'un nouveau public. Imagine comment Undyne se sera amusé avec ça. Du feu, de la violence, ses piles dans ses cordes. Je vais donc mettre ce casse-tête de côté. Je me concentrerai. Des amis que j'ai déjà. D'accord. Voilà une excellente leçon de vie. Combien de temps que j'enlève? On peut pas voir combien de temps on est en live. Désolé. Le son est face à tirer un peu bizarrement. D'accord. Ça va venir quand on live. J'arrive à se dire, je sauvegarde et très fin de vidéo. On dirait bien qu'on n'a pas besoin de toi pour s'amuser après tout. Hey! J'étais en train de me dire. On dirait que tu vas devoir affronter mon frère dans pas longtemps. Conseil d'amis. Si tu continues comme ça, tu vas passer un sale quart d'heure.
tout le monde, un filet, se mettre à l'abri. Franchement, les grands sont très bêtes par moment. Ah, ils le savaient pourtant qu'Undyne est là pour nous protéger. Donc bon, je vais sauvegarder et la vidéo s'arrête là. Voilà. Donc. Bref. Les gens, on va se quitter là-dessus. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo, etc. Bye tout le monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Il y aura une prochaine vidéo dans... pas longtemps, préparez-vous, je ne sais pas quoi, mais dans pas longtemps, vous pourrez être sûr. La première génocide, puis de quoi la génocide avec vous. Donc bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos et bye tout le monde.